Ça va tout le monde? Comment vous allez le chat? Coucou, comment ça va? Bon alors, je sais qu'on doit aller sur Hogwarts Legacy, mais j'ai une découverte à vous faire. Voilà. J'étais encore un peu dans la merde niveau voilà, hein? Du coup, je suis obligée d'en mettre. Du coup, on va découvrir pendant 20 minutes In Tycoon, comme d'habitude. Très simple hein, pour ceux qui connaissent la chaîne. On découvre, après on fait un sondage pour savoir si vous souhaitez avoir le jeu en live ou en vidéo YouTube ou pas du tout. Et puis après, on refera plus tard. Et coucou Essoyeur, coucou Kawet, comment ça va ma belle? Voilà, donc j'espère que vous allez prendre plaisir à regarder ce jeu. Hein. C'est In Tycoon. On avait déjà fait le prologue qui était très très bien. Et du coup, j'ai le droit d'avoir une clé du jeu des développeurs. Et voilà, il était déjà bien comme jeu, donc j'en conclus qu'il va être tout aussi bien. Voilà, hein. Merci les développeurs d'ailleurs encore. Merci à vous. Alors, eh ben, c'est directement mis en français. C'est bien ça. C'est bien. En plus, niveau musique, c'est badass aussi. Ça va, Kawet? Quoi de neuf? Coucou, Matt! Je vais jamais y arriver avec ton pseudo. C'est infernal. Ton pseudo, dès que je le vois, il me fait peur. Ton pseudo, il me fait peur. Hélène. Elle... J'y arrive pas. Oh! Je vais t'appeler Sersika, voilà. Sersika x2. Deuxième Sersika, on va te faire un cours pour lire son pseudo, mais j'arrive pas, c'est pas grave avec le smiley là. Et Matt c'est mignon aussi, hein. Ils savent pas exactement si c'est Mathieu, Mathis, c'est bien, et Matt c'est bien. Alors nom de l'auberge, qu'est-ce qu'on va choisir nous? Donnez-moi un nom d'auberge là, pas d'idée moi. Pas d'idée.
Coucou Précieuse, comment ça va? Au Lion d'Or. Ah bah attends. Au Louvre d'Or. Voilà. Comme ça, du coup, on garde mon pseudo. Ouais. Parfait. Au Louvre d'Or. On dirait le Vif d'Or tellement. Alors, du coup, ça, c'est chez nous. Voilà. C'est tout petit. C'est tellement beau le jeu quand même. Il est bien fait. Alors, construire la salle de la taverne. Du coup, c'est là. Vous voyez pas, mais en fait. Voilà. Placer la table. Hop. Bonjour monsieur, j'arrive. Hop, voilà. Une table de 4, c'est bien. Embaucher une serveuse. Pourquoi une? Un serveur ou une serveuse? Respecté. Personnel. Embaucher. C'est Lenora qu'on a. Très sympa. Atelier niveau 2, construire la salle de cuisine. Ah ben j'aurais peut-être pas dû mettre ça là. Hein. Ou peut-être la cuisine on la met derrière, mais je sais pas si on peut mettre derrière. Mon message n'a pas été posté. Oups. Comment il commence à faire froid chez moi. Ça y est, bientôt ça va doubler les couches de pull. Oh mais attends, Kawet. Non, oui, si. T'es du côté de Montpellier. Si. J'allais te sortir où t'étais, mais je crois que t'es à côté de Montpellier. Je crois bien. Hey, il commence à faire froid chez vous. Eh, hey, vous êtes au courant demain qu'on va se taper un ouragan là Vous êtes au courant ou pas? On va se taper un ouragan. Surtout en Île-de-France, ça va être pire. Demain et après-demain. Et ouais, on est en vigilance orange, voire même rouge. En tout cas, à Paris, on y est, hein. Je peux avoir mon niveau 2. Ah, on n'est pas si loin. Quand Normandie a un sommeil magnifique. Ouais, bah ça va. Hein, la Normandie aussi va être touchée en plus. Bretagne, Normandie, Belgique, tout ça. Hein, ça va être touché. Ouais, j'en ai entendu parler. Ouais. Mais je me gèle dans mon frigo qui sert d'abat. Ah, c'est dégueulasse, hein. Nettoyer. C'est trop mignon. Ah, le jeu, je le trouve, il est très très bien fait. Putain, c'est un par un. On va attendre longtemps, hein. Allez hop, on passe en vitesse max. Merci Match pour ton lurk. Merci beaucoup. Je suis tombée malade, je sors en concert et on sait ce qui se passe quand on va dans un concert. Kawette, ne fais pas comme moi. Prends-toi un bon plaid et tu pries comme pas possible pour pas tomber malade. Voilà, ça oui. Coucou Osrek, comment ça va? Pas une tempête, mais il y a déjà eu bien pire, c'est plus haut que ça. Ouais, bah c'est du côté de chez nous. C'est du côté de chez moi que ça va taper fort. Alors, mon très cher Ozrek, nous n'avons pas de café ici, nous avons de la bière, si tu veux. C'est d'ailleurs Kawet, tu vas voir qui? Qui que quoi donc où?
Mais où est donc Ornicard? J'avoue, un beau café. Mais j'aurais tellement Île-de-France. Eh ben voilà. C'est toujours chez moi que ça tape les trucs. J'en ai marre, moi. Moi, je vais être contente. Ah non, il n'y a pas de café ici. Il n'y a que de la bière. Powerwolf. Déjà, il y a Wolf à la fin. Gawet, je t'aime. C'est le concert. Ouais, mais il y a Wolf à la fin. Tous les coups. Oh bah oh. Préfère ça moi. Je préfère ça d'un coup moi. Allez hop. J'avais mon niveau 2, il manque une personne, sérieux. Je connais pas mais je vais écouter après. Chocolat au lait avec touche de cannelle, ça vous dit? Ah, vas-y, ça me tente. Moi, je veux un cappuccino caramel. Depuis, j'ai goûté ce truc. Et c'est fini. Il n'y a que ça que j'aime bien. Parce que j'aime pas le café. Oui! Oui, j'ai mon level 2. Alors, on va construire une cuisine. Une cuisine. C'est ça, ma cuisine. On va la mettre là. Regardez. Oh là là. Vraiment, je trouve que. Vraiment, il est trop beau le jeu. Un petit comptoir. Pas trop transition. Bah bravo. Qu'est-ce qui se passe, Lemo? Qu'est-ce que j'ai fait? T'es au courant que dans le cappuccino, il y a du café? Oui, mais si tu mets du caramel, le café, il est moins. Il est moins cru. Il est moins cru que tout seul. Donc, plus facilement pour moi, je peux faire plus facilement le bois. Sont rassemblés ici, puis servis à la table. Lors de la mise en place d'un comptoir, vous remarquerez une zone circulaire autour de lui. Et la nourriture sera distribuée aux tables. Dans la zone, les clients de cette table ne pourront pas être servis. D'accord. Ça c'est bien parce que ça, c'était pas comme ça avant. Je suis obligée de me mettre là en fait. J'ai appris que tu peux faire du café avec de l'orge. C'est le même goût. Oh! J'étais même pas au courant. Pas au courant. Tout de suite là. Hop, un petit chaudron. Et on va embaucher un cuisinier. Il va s'appeler Kélan, le cuisinier. Qu'est-ce qui se passe, Osric? Quoi? D'ailleurs, est-ce que vous m'avez entendu chanter hier? Est-ce que vous m'avez entendu chanter? Je suis fière de ce que j'ai pu faire. Et j'étais déjà au courant depuis 3 semaines que j'allais passer hier soir. Pour ça, j'étais autant en mode. Non, vous inquiétez pas. Vous allez m'entendre à la fin du stream. Parce qu'en fait, je le savais depuis longtemps. Et du coup, Blue m'a sacrément bien aidée parce que quand on m'a demandé si je pouvais chanter, j'ai pu sortir ça parce qu'en plus c'était réel. Ah, oh. Si Kawad veut écouter et Audrey veut écouter, j'accepte de la mettre. Sinon, j'accepte pas. Eh oh. Ceux qui étaient présents, vous n'avez plus le droit de l'écouter. En tout cas, vous écoutez directement. Ok, sondage. Allez, vas-y, fais un sondage. D'ailleurs, faut pas tarder à faire un autre sondage. Donc tu mets le sondage pas trop long. J'ai pas pu être là. Ah, ben voilà. Bah si Kawette a décidé. Oh, c'est Kawette, hein. Ah, c'est ma Kawette d'amour. C'est ma petite VIP, c'est la petite nouvelle en plus. Bon, bah pas de sondage. Par contre, faites-moi un sondage pour dire si vous souhaitez avoir le jeu en stream ou en vidéo ou pas du tout. Vous mettez les trois.
Non, non, Ouzrek. Attendez. Non, non, les mots, ça se refuse pas. Bon, bon, t'as pas le droit de refuser. T'as le droit de dire oui, non, crotte ou merde, mais t'as pas le droit de dire je refuse. T'as le droit de dire Miss, tu sais pas chanter. Je vais te dire, bah toi, c'est pire. Mais aucun problème, hein, aucun problème, je peux faire la musique que j'ai faite. Vous pouvez me faire un sondage, la team? Hop, on va quitter le jeu. Hop, je vous mets la musique. Pendant ce temps, on va se partir sur Hogwarts Legacy. Peut-être que Hogwarts Legacy, je vais d'abord rentrer dans le jeu pour pouvoir vous mettre. Ouais, vous enlevez le son. Sondage fait, merci. Et si c'est possible de changer la catégorie de stream, s'il vous plaît. 2 minutes, c'est parfait. Ça, du coup, je me mets dans le jeu. Moi, je valide, j'aime vivre dangereusement. Ah, vous êtes tous sur vidéo YouTube. Vous voulez des vidéos YouTube sur ce jeu? Coucou Matt, ça va et toi? Ah ben, hey, je vous avais dit mon jeu il est buggé. Je vois rien. Oh, j'entends la musique mais je vois pas le jeu. Le jeu? Peut même pas l'éteindre. Qu'est-ce qu'il est chiant ce jeu. C'est pas la première fois qu'il me fait au plus ce coup-là. Arrêtez. Mais qu'est-ce qui se passe, mon. Ouais, confirmé. Arrête-toi. Voilà, ok. Je vais me retourner et je vais rien toucher pendant ce temps. Est-ce qu'il va enfin marcher? Hogwarts Legacy, je sais que ça fait 2 semaines que j'ai pas pu jouer, mais s'il te plaît. Bon, vous êtes tous unanimes sur vidéo YouTube. Ok. Et Marc, dans quelques minutes, on va pouvoir réentendre ma chanson d'hier. Donc, j'étais avec une copine à moi qui s'appelle Foucou. Des bisous si tu passes par là. Et du coup, on a voulu chanter ensemble hier. Putain, mais je vois pas le jeu. Ah, c'est bon. Enfin. Attendez, on attend d'aller dans le jeu pour qu'après on puisse. Ah, par contre, préparation des nuanceurs, faudrait que ça bouge hein, quand même. Oh mon Dieu. Oh, ok, donc 100% vidéo YouTube. Ok. Et ben du coup, vous allez devoir attendre un petit peu hein, parce qu'il y a beaucoup de vidéos à tourner. Faudrait vraiment que j'arrive à en faire demain. Ouais, demain. Coucou Yo-Yo, comment ça va? Yo-Yo, est-ce que tu m'as entendu chanter hier ou pas? Mais je sais, Marge. Le problème, c'est que là, je termine à 16h. Ça veut dire que en 45 minutes, ça doit être fait parce qu'après, je dois partir. Les mots, j'en sais rien, mais c'est pas la première fois que ça me fait ce coup-là. Et t'as vu comment ça bouge pas? C'est chiant. C'est chiant. Ce jeu, vraiment, il est chiant, des fois. Et je peux rien faire parce que du coup je peux pas sortir du jeu ni rien. Vraiment, c'est vraiment à cause de ça que j'ai beaucoup de mal avec le jeu. Même pas à cause de l'histoire puisqu'on l'a déjà faite l'histoire.
Kawette, est-ce que t'es toujours présente ou pas? Ah, bah enfin. Enfin, d'un coup, il a été débugué. Putain. Ah, il s'est dit, oula, je suis en train de me faire engueuler. Hop. Toujours présente. Ok, alors, attention. Faut savoir que la première personne qui va chanter, c'est pas moi. Moi, je suis après. Je me mets juste. Ouais, c'est elle. Voilà. Je vais le même. Ouais, Kawette. T'inquiète, on reconnaît bien ta voix. On sait jamais, Kawette, elle me connaît pas spécialement beaucoup, hein. Alors, je cherche. Je cherche. Hop, Masked Singer. La petite vidéo. Voilà, hop, on remonte. Fuku et Miss Louv. Attention! C'est parti! Toute ma vie, j'ai toujours voulu avoir tout un jour pour moi. N'avoir une affaire ni où aller rien qu'une fois. Sans le sous, sans l'or, sans dîner, que rien ne soit programmé. Sans personne pour me dire comment j'ai lire ou rester. J'ai toujours voulu m'occuper de moi seulement, ne plus avoir autant de travail en me levant, ne plus avoir à faire doubler, plus de manches à rectifier, finir les robes de mariée, c'est lui qu'il faut la faire, mes dates effacées. Madame Cœur, non, mais tu te crois où, Erika? Dans un cabaret? Moi, j'aurais plutôt appelé ça une prison. C'est ça, moque-toi. Tu vas travailler pour moi pour les 37 prochaines années. Mais j'ai déjà remboursé la moitié de ma dette. Ah, mais tu oublies de compter les intérêts. Tes parents auraient dû penser avant de m'emprunter de l'argent. S'ils l'ont fait, c'est pour moi. Tant pis pour eux. Liberté, tu n'as pas de... Liberté, tu n'as pas de... Vraiment désolée, mon enfant, mais comme je te l'ai dit, il est vital que tu épouses le roi Dominique. C'est la seule solution si vous voulez éviter la ruine du royaume. Je sais, c'est mon devoir. Oh, regarde, encore un cadeau pour tes fiançailles. Tu t'en crois que j'ai de la chance, car j'ai tout ce que je veux. Mais tous les cadeaux qu'on m'a offerts sont obséquieux. Je n'ai jamais rien possédé, mais je suis déterminée. Le monde entier sera rassemblé pour mes coups. Pourrais-je y aller? Quelle journée nous liberté. Bientôt elle va arriver. Oui. Les yeux fermés, je me sens voler à des milliers. Il faut chanter pour rêver liberté. Voilà. C'est bon? Vous êtes content? Clap, clap, clap.
Non, j'ai pas chanté en même temps, hein, vous inquiétez pas, mais sauf que j'étais en train de m'étouffer. Ah là 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 là. Ah oui, j'ai entendu. Voilà, et ben c'est ce qu'on a fait hier. Et j'étais trop trop fière. Alors, on avait ça, du coup, ça je l'ai fait pas, on fout. On avait les devoirs et on avait la crypte. Mais la crypte, en fait, de base, moi, je veux pas qu'elle soit amie avec... avec l'autre, là. Avec Sébastien. Ouais, yo-yo, en révélation de l'année. Cette étape de fou, merci. Ouais, en révélation internationale de l'année. Vous savez qu'en plus, je surkiffe ce truc. Moi, ça me fait kiffer. Alors. Oh, bonjour. Doit être en pleine nuit pour voir les... Par là. Vraiment, comme ça, on dirait qu'elle pourrait se casser la gueule. Non, c'est pas là. Tu as humilié tous les concurrents avec cette interprétation. Non, mais après, j'ai le droit de parler. Et j'ai dit, bah alors, c'est ça, d'être 13e? Et ils vont tous dire, non, mais t'as été rebelle de ouf. Voilà. Ah bah tiens, il est là. J'ai été rebelle de ouf. On va pas dû partir top 13. Moi, ouais, je suis là. Sébastien, ça faisait longtemps. En effet, content que tu aies reçu mon hibou. J'ai quelque chose à te montrer. Avant tout, je voudrais te remercier pour la bibliothèque. Aucun problème. Scribe a essayé de me mettre en retenue, mais je sais comment y échapper. Mais tu t'es quand même dénoncé à ma place. Ce n'est pas rien. Est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais? Oui, mais il manquait quelque chose. Je pense qu'il vaudrait mieux en discuter ailleurs. D'accord. On pourra en parler dans la crypte. Même les professeurs ne connaissent pas l'existence de cet endroit. Je crois qu'ils doivent être vraiment au courant en plus. Il y a un passage secret juste ici. Il est bien caché. Moi, je sais où il est parce que j'ai déjà fini le jeu. Il est là. Ah, je voulais descendu, attendez. Voilà. Comment as-tu trouvé cet endroit? Grâce à mon ami, Hominis Gaunt. Il appelle cet endroit la crypte. On jouait souvent au baf-boule ici, avec ma sœur, Anne. Elle adorait ce jeu infernal. Je donnerais n'importe quoi pour perdre contre elle à nouveau. Écoute, j'ai promis à Hominis de protéger cet endroit. Alors... Dégage, je t'écoute. Il ne se confie à personne. Il me fait confiance depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Réveillon. On se faufilait ici presque tous les jours. Vous avez vu qu'il d'ailleurs va y avoir un Hogwarts Legacy 2 en plus. Je crois avoir vu Hominis en cours de potion ou de botanique. Comment a-t-il trouvé cet endroit? Oui, mais je ne sais pas comment il fait. Hominis est né aveugle et aucun sortilège ne lui rendra la vue. C'est comme si sa baguette avait sa propre conscience. Après tout, Ollivander dit toujours que c'est la baguette qui choisit son sorcier. C'est comme ça qu'il a trouvé cet endroit? Quelqu'un de sa famille l'avait découvert. Les Gaunt ont bien des secrets. Je n'ai jamais entendu quelqu'un d'autre en parler. Et je n'ai jamais vu personne d'autre ici. Je le répète, mais ne dis rien à personne. Et encore moins à Hominis. Il n'apprécie pas sa famille et leurs secrets. Mais cet endroit lui est cher. Compris. Mais, au fait, pourquoi Hominis n'apprécie pas sa famille? La famille de son père descend directement de Salazar Serpentard, l'un des quatre fondateurs de Poudlard. La plupart d'entre eux sont obsédés par la pureté du sang. Hominis ne les supporte pas. Il sera le premier à te le dire.
Enfin, la crypte est l'endroit parfait pour échapper aux regards indiscrets. Et pourquoi pas s'entraîner à quelques sortilèges interdits. Vraiment ? MDR. Comme quoi ? Comme le c'est une pouf souffle. Selon les professeurs, ce sort ne devrait pas être enseigné aux élèves. Ça a l'air dangereux. Elle a peur de tout. J'ai surtout vu que dans les annonces de ce qu'il y aurait dans le 2, c'est quoi du coup les annonces ? Tu peux spoiler en vrai. J'ai pas regardé les annonces. Ce sort a l'air dangereux. On croirait entendre Minis. Il n'aime pas beaucoup les sortilèges interdits. Même s'il a bien aimé celui-ci. Un sort comme Confringo n'est dangereux qu'entre des mains inexpérimentées. De tels sorts devraient être enseignés, pas interdits. Pour être honnête, j'ai tendance à préférer les types de magie plus explosifs. Mais tu devrais l'apprendre. Je peux te l'enseigner en toute sécurité ici. Ah, celui-ci, on n'a pas le droit de dire non. Il faut parfois un certain temps avant de bien sentir les choses. Reproduis le mouvement. Moi aussi, j'ai hâte du 2 en vrai. J'ai bien aimé le 1. Confringo. Très même bien. Si je voulais avoir le Quidditch. Et pour avoir le Quidditch, bah, il faut avoir le jeu, là, le Quidditch. Qui me semble pas du tout. Hop. On a appris Confringo. Tu progresses ? Tu veux faire un essai pour de vrai ? Vise seulement les... Alors... Confringo, c'est ça. Mieux vaut ne pas endommager la crypte. Ah oh, si, je vais endommager. Essaie sur ces candélabres. Confringo. Bravo. Comment tu te sens ? Ça brûle un peu. Tu t'y habitueras. Voilà. Hop. Je crois que j'ai compris. Bravo. Tac. Je dois avouer que c'était amusant. La première fois que moi j'ai pas acheté Yo-Yo. Confringo, on s'est brûlé les sourcils. J'aurais payé pour voir ça. Je n'oublierai jamais ce moment. Et pourtant, je trouve encore que ce sortilège a quelque chose d'addictif. Attends, pour avoir l'accès au jeu, il faudra payer des DLC pour avancer. Oh mais là, s'il vous plaît. Oh mais là, il a quand même. Eh oh. L'explosion produit beaucoup de chaleur. Ça ne m'étonne pas pour vos sourcils. Tu finiras par t'y habituer. Avec Anne et Hominis, on s'entraînait ici pendant des heures. La crypte était notre refuge. Je n'étais pas venue depuis longtemps. Ce n'est pas pareil sans Anne. Je suis désolée pour ta sœur. Si je peux faire quoi que ce soit... La prochaine fois que j'irai à Feldcroft, tu pourrais peut-être venir pour rencontrer Anne. Ça lui changerait les idées. Je ne veux pas m'imposer. Si ta sœur est malade, elle ne veut peut-être voir personne. Je suis sûr que rencontrer une nouvelle élève lui fera du bien. Fais-moi confiance. Poudlard lui manque. Elle est coincée à la maison avec notre tuteur, mon oncle Solomon. Malheureusement, tu vas également le rencontrer. Préviens-moi quand tu iras et je t'accompagnerai. Parfait. Au fait, qu'est-ce que tu ne pouvais pas me dire tout à l'heure ? Je ne sais pas par où commencer. Tu as dit qu'il manquait quelque chose dans ce que tu as trouvé dans la bibliothèque. Est-ce que ça aurait un rapport avec Victor Rockwood ? Il ne t'a pas du tout prise pour quelqu'un d'autre après Hollard. Rien ne t'échappe. Voilà ce que je peux te dire. Rockwood et Ranrock essaient de récupérer quelque chose. Ils pensent que je l'ai volé dans un coffre à Gringotts. Gringotts ? Quand est-ce que tu y es allée ? Le professeur Fig et moi avons atterri là-bas après l'attaque du dragon. Il y avait un port au loin. Un port au loin ? Oh purée. C'est un peu difficile à expliquer. Pourquoi elle sort tout ? Je ne peux pas tout révéler. Il manquait des pages au livre que j'ai trouvé dans la réserve de la bibliothèque. C'est tout. Dommage. Je ne pensais pas que tu te contenterais d'une réponse aussi vague. Puisque Rockwood et Ranrock en ont après toi, tu devrais passer plus de temps à t'entraîner au maléfice explosif. Tu peux rester ici autant que tu le veux. Et souviens-toi, ne parle à personne de cet endroit. Si, je vais aller le dire à tout le monde. À Feldcroft, je t'enverrai un hibou. Ok. Adieu. Moi, dans ma véritable partie, elle est complètement amoureuse de lui. Mais elle, non, elle est trop focus sur ses cours. Elle va trop être focus. Salut, Sébastien.
Attends. Toi, là. Je t'entends. Oh, bonjour, Ominis, c'est ça? Je crois qu'on est ensemble en cours de potion et de botanique. Je reconnais cette voix. Je vous ai entendu parler, Gareth Weasley, et toi, en cours de potion. Tu es la nouvelle recrue de 5e année. Il est trop fort. Tu viens de sortir de la crypte? Comment tu as fait pour entrer? C'était un hasard. Cette salle s'appelle la crypte? Ah! J'explorais les environs quand j'ai trouvé par hasard un passage étrange. Ne me mens pas! Personne ne trouve cette pièce par hasard. Pas Lucie. T'en a parlé, c'est ça? Si tu dis un mot au sujet de cet endroit à qui que ce soit, même ton précieux professeur Fig ne pourra rien pour toi. Mon père est ami avec le directeur. Je n'hésiterai pas à en profiter si cela s'avère nécessaire. Inutile de me menacer. Tu n'as pas besoin de me menacer. Je ne parlerai à personne de ta crypte. Et Sébastien est un ami fidèle. Pas besoin d'imaginer toujours le pire. Je sais très bien comment est mon ami d'enfance. Je n'ai pas besoin de toi pour l'expliquer. Ominis, je voulais dire... Je sais ce que tu veux dire. Sébastien s'attire assez d'ennui tout seul. Il n'a pas besoin de toi. D'ailleurs, c'est changé le titre ou pas? Oh. Je suis pas là, moi. Allez, ciao. Moi, je suis... Non. Je suis au niveau 13. Alors. J'ai que les devoirs. Obtenir et utiliser une potion de concentration. Pour apprendre Repulso. C'est ça, ouais. Non, mais ce sera pas avant 2-3 ans. Hein. Pourquoi ça marche pas ce truc? Ah, il vient de balancer ça. Bon. On a perdu une. Ah. C'est pour... Ok. Et du coup, c'est là. Je reviens d'une visite contre-productive. Alors, j'ai appris beaucoup de choses en ton absence, Coco. Alors, ça c'est bien. Hop. Elle est pas très belle, hein, mais bon. Mais je crois que ça c'est nul. Ouais, c'est nul. Ok, j'aimerais bien aller dans ma salle. Hop. Merde. Mais franchement, ce jeu en monde ouvert, il est dingue. J'aimerais vous enseigner. Oh. Et ma copine. Pour faire léviter des objets pendant un court instant. Lorsque vous aurez effectué quelques tâches préalables, Maxima, potion de concentration. Ah mais ouais, mais j'ai pas tout. J'ai pas tout. Ça, je peux en faire une. Maxima, j'en crée une. Mais j'ai pas Eldurie, j'ai pas la potion de concentration. Il va falloir que j'aille taper des ennemis. Ah ouais, Osric? Bah, en vrai, si j'ai des potes qui jouent à Harry Potter, ouais. Après, j'espère quand même qu'on pourra le faire aussi tout seul. Hop. Potion et durée, serpent cendre et fourrure de chien. Et là, j'ai besoin de langue. Après, est-ce que j'en ai pas? J'ai pas la potion de concentration. J'ai pas de potion de concentration. Donc, dans tous les cas, il va falloir que je sorte. On va aller là.
Cherche quel modo? De quoi? Non, j'ai demandé si vous avez changé le titre. Je rappelle qu'il y a des araignées, sa mère là-dedans. Je n'ai vraiment pas apprécié. C'est quoi ça là-bas? Bah tiens. Hop. Faudrait que je te batte toi en fait. Hop là. Il est dead. Ah bah tiens, j'en ai une. Hop. J'ai la langue qu'il fallait. Tiens, il m'en manque une là. Non, c'est bon. Ah oui, c'est fait depuis le début. Ok, cool. Merci. Dans Legacy, c'est un deck et Poupsou, c'est salle commune. Ah mais oui. Ah mais moi c'est Serdeg. Moi Serdeg, je trouve la... Je trouve la maison dingue en fait. Déjà parce que je suis Serdeg, donc... D'ailleurs ça j'ai changé parce que j'aime pas. J'aime pas être Pelermus. J'ai pas grand chose. Mais pour le moment, à la place, je suis médecin. Là-bas, il y a des araignées. De quoi, Ozrek? Je t'ai pas appelé? Je crois pas, non. Voilà, vous avez complètement compris. Oh! Dessert. Hop. Je vais pouvoir me taper les putains d'araignées là. C'est quoi là-bas? Putain, il m'a fait peur. Mais monte! Non mais qui c'est qui se fout là, sérieux? Ah c'est un chien. Expelliarmus. Tu viens? Confingo. Hop là. Un petit loup. Désolé petit loup. Mais j'ai besoin de ta fourrure. Ah bon, on serait que j'ai dit ça. C'est avec la fatigue que je me rappelle absolument de rien de ce que j'ai dit. Allez, ouais. L'endroit a été abandonné il y a longtemps. Oh bah tiens. C'est quoi ça? Permets-moi d'abréger tes souffrances. Expelliarmus. Je sais que tu es là. Protego. C'était une erreur. Les vieux sauts. Expelliarmus. Hop. Confringo. Action. Hop. Hop là. Adieu. Vaincre les mages noirs. Bah tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Je suis ici. C'est tout?
Ah non, les... il en manque un. Rebellion. Il en manque un. Ah là, il y a un loup. Bon, un poussouf. Tu sais que là, je suis poussouf en plus. Hop là. Il a rien vu. Hop. Je cherche la petite dernière. Là. Ouais. Je crois que ça, je l'avais pas fait dans ma première partie. Ok. On s'en ment. Arrête de combat. Ça, c'est une arène de combat, la team. Je viens de comprendre qu'en fait, ça, je l'ai pas fait. Est-ce que ça, du coup, je peux le créer? Ouais, je peux le créer, ça y est. Du coup, tu connaissais pas? Non, je l'avais pas fait dans ma première partie. Ouais, une arène de combat. Mais du coup, je vais la faire sur ma première partie. Ouais, il y a une arène de combat. Parce que c'est ma première partie, j'ai fini et il manque plus que le niveau 40 et j'aurais fini en quelque sorte le jeu. Et il manque bah, tous les trucs Merlin là. Parce que vraiment, en fait, je trouve ça trop chiant. Il y en a trop et j'ai dû en faire deux. En tout cas, je crois qu'il y en a 100. Mais moi, je suis méchante, moi. Hop là. Allez, on a une minute. Mange mes cacahuètes. Vous savez que je surkiffe manger mes cacahuètes et j'ai un petit pot où je mets tous mes trucs. J'aime trop. Miss est méchante. Qui n'est pas méchant? Ce n'est pas un scoop. Bah tu vois, voilà. Elle me mange. Ouais. T'es esquise. Oh. Du coup... C'est moi qui décide alors. Non. Pour la maison. Alors. C'est simple. Moi je suis la gentillesse incarnée. Non, non, toi t'es comme moi. Nouveau sondage entre les deux. Non mais... Hop là. J'ai fait le jeu en sadep parce que j'ai confiance au choix pot, mais je suis une poussouf dans l'âme. Ah non, moi je suis une serre d'aigle. On va aller par là. Ouais, on va aller là. Que t'as le droit de décider, j'arrête avec mes sondages. Bah moi du coup, serre d'aigle. Voilà, moi je suis team serre d'aigle.
Potion de concentration. Hop. Et potion maxima et... Mais attends. Je sais bien, je suis partie au niveau des araignées, moi. Ah, tiens, il y avait la thune. Pourquoi il n'y a pas de méchants dans cette zone? Je les ai massacrés? Eh, vous étiez même pas au courant. Ah, là il y a des méchants. Wesh. Et tu russes Maxima. Magnifique. Voilà. On va juste les détruire. Voilà, allez hop, c'est mort. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai kill. Ça vous dérange? Oh, un animagus. Bah alors, oh bah non. Ça c'est méchant ça. Ça c'est très méchant. Sache-le. C'est pas bien. En ce temps, l'autre il bouge plus là, il est mort. Voilà. Si. Voilà. Hop. Et je kill. C'est ma façon de me battre. Et boum. Hop. Voilà. Il est dead. Bon, madame. Si, si, ça va. Bonjour. Bonjour. Hop là. Hop. Allez, un petit vol plané. Voilà. Ça fait plaisir quand même, non? Voilà, hop. Hop. Non, 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 eh oh. Sois respectueux. Hop là. Bim. Ils sont tous morts. Un braconnier de moins dans le monde des sorciers. ça, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Alors là, ça, je l'ai pas dit moi-même. Elle vient de me sortir qu'elle est très contente d'avoir tué. Alors, petit coffre. Tac. Ok, il n'y a plus rien. Coucou ma copine. Ouais, ouais, il y a des fois je fais peur. C'est ce qu'on me dit. Bon, en fait, moi, je le prends bien. Parce que si je pouvais réellement faire peur, au moins, on arrêterait de me saouler. Allez, hop, je vais faire mon cours de potion, là. Moi, j'ai le droit, tu vois. Voilà. On a le droit toutes les deux. On a le droit de faire chier qui on veut. Ah, merde. Je suis partie. On va aller dans la salle de potions. Seulement des fois? Non, tous les jours. Moi, je suis une emmerdeuse, mais... parfaite. Hop, je peux avoir mon truc pour ma quête, là, s'il vous plaît? Ah oui, bah attends, ça non. Voilà. La dernière fois que j'ai vu ton aquarium, j'ai pas dormi durant 2 jours. Oui, bah mon aquarium était très beau. C'est juste que t'es jaloux. Ah merde. Faut que j'avance. Hop. Voilà. Allez, c'est vert. C'est ça. Ah! J'adore ce prof. Waouh! Oh! Et pourquoi dans ce jeu-là, on peut pas faire des filtres d'amour? Ça serait trop kiffant. Retourne voir le professeur Sharp. Bah attends, le temps qu'il y aille, il y a le temps. Hein.
Ouais. À boire. Merci ma copine. J'ai fait, monsieur. Je suis une bonne élève. J'ai terminé ce que vous avez demandé, professeur. Excellent. Pour Sébastien. Mais ouais, il est beau quand même. Ne laissez pas votre esprit vagabond. Hop là. Ouais, j'ai appris Repulso. Oh bah tiens. Si vous voulez vous en... Évitez donc de vos camarades. Oh, et oh. Moi comme ça. Bon travail. Je suis heureux de voir la détermination dont vous faites preuve pour maîtriser. Voilà. Je suis trop forte. Tout ça pour Sébastien. C'est ça. Mais pas ce personnage. Pas ce personnage-là. Mon personnage de base. Et oh, oh, oh. Ah, j'ai 5 points. Repulso, j'utilise beaucoup. Donc oui. Ça c'est pas mal ça. J'aime bien, je prends tous les trucs là. Magie noire, je prends pas parce que de base, elle est pas magie noire. Et ouais. Non. On va prendre ça. Hop, et on garde. Non, j'essaie de pas trop Théo. En vrai, hier, il y en avait quand même où on aurait pu les Théo quand même. Parce que vraiment, ils étaient fatigants. Coucou Kylvan, comment ça va? Kylvan, tu t'as pas entendu quand j'ai chanté hier? Hop, ok. Hey, ma copine, t'as pas non plus entendu que hier j'ai chanté? T'as pas entendu hier? Mince, t'as pas entendu? Je viens de capter. Je vois très bien de qui tu parles et on a hésité. Ouais, au bout d'un moment, en fait, je lisais même plus les messages. C'est en vrai, hier, c'était assez compliqué. Le premier, il était chelou, là. Non, j'ai pas entendu, j'irai voir l'Ardif. Oui, parce que je suis trop... J'étais trop contente. Obtenir, utiliser... ok. Oui, Gardium Leviosa, c'est pas mal, ça. D'abord, on va aller faire la salle de la carte. Non, en vrai, là, vous auriez pu dire quelque chose quand même. Y a pas de souci. Puis en plus, vous avez la main, donc... moi, au bout d'un moment, ouais, je répondais plus. Il y a eu un, j'ai failli le Théo avec un combo qu'il nous a fait. Ouais, c'est ça, Marc, je pense qu'on parle du même. Mais en vrai, en fait, je sais pas si la personne, elle était... il ou elle était du Discord. Et je pense que c'est un candidat. Je pense que c'est un candidat. Parce que du coup, plusieurs fois, je l'ai mis dans mes enquêtes. Et en fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que il ou elle vient exclusivement que pour ça. C'était pas quelqu'un du jury, mais c'est, je pense, quelqu'un, c'est un candidat. Du coup, j'ai gardé le nom précieusement. Et le but, c'est que j'arrive à trouver qui... Lenya, ouais. Lenya et Popette, je suis sûre à 100% qu'elles sont... J'espérais vous voir. Qu'elles sont dans le... Donc, vu que je pense que ce sont deux femmes, et vu qu'il y a encore trois femmes, mais il y en a une, j'arrête pas de dire qu'il y en a une que je connais de... La cerise, plusieurs fois j'ai mis la même. Vous revoilà. Enfin.
De Masked Singer, Kevin. Spavin parle plus qu'il n'écoute. Il radotait au sujet de dragons incontrôlables. Il refusait d'entendre parler. Ah mais Lénia, je suis sûre que... À ce sujet... Écoutez, professeur, tant de choses se sont passées depuis que vous êtes parti. Bah, Atéris, en fait, je t'expliquerai après. On m'a parlé de sa petite nièce, Hélène. Sa petite nièce ? Oui, elle était Aurore avant. Elle m'a emmenée à Azkaban pour aller voir Anne Thisby. Vous êtes allée à Azkaban ? C'était quelque chose. Mais en fait, Anne a connu Richard Chouka avant sa mort. Alors, j'ai dû trouver son fantôme. Puis-je savoir qui est Richard Chouka ? Elle sort tout ! Il a étudié à Poudlard il y a longtemps. Il m'a parlé d'une grotte secrète. À l'intérieur, juste à côté du squelette de Chouka, j'ai trouvé les pages manquantes. Vous avez retrouvé les pages manquantes ? Oui. Et puisque Chouka avait suivi la carte qui s'y trouvait, en découvrant ces pages... Mais Ace, je suis sûre. Croyez-le ou non, je suis sûre de moi. Il s'agit d'une pièce située sous Poudlard. Pourquoi ne suis-je pas surpris ? Allons-y. C'est la réponse que j'attendais. Oh, nous aurons besoin du livre. Quoi cette histoire de candidat ? En gros, Kylvan, je m'occupe de... Comment je peux expliquer ? En gros, on a Masked Singer le lundi soir à 21h. Et moi, du coup, mon but, c'est que je stream le moment, voilà, les moments, et on essaye de trouver qui sont les candidats. Donc, par exemple, t'as une chouette, t'as un colibri, t'as un bonhomme de neige, tout ça. Et en gros, le but, c'est que tu puisses trouver... avec leur voix, etc., avec les indices. Et du coup, eux ne peuvent pas parler, en tout cas, les véritables... On ne peut pas voir le nom et le prénom. Et du coup, nous, notre but, c'est de retrouver qui c'est. Et c'est pour ça que moi, je scanne assez bien les pseudos de ceux qui sont dans le vocal pour voir un peu qui c'est qui regarde, mais également les personnes du stream. Au fait, cette pièce s'appelle la salle de la carte. Et un portrait de Percival Rackham nous y attend. Le professeur Rackham. Et donc nous, ça fait 3 semaines qu'on fait ça. Comment ce Chouka c'est ça, Kevin. De toute évidence, Peeves les a volés. Et Richard Chouka... Il faut retrouver qui ensuite. Les personnes qui chantent. Peeves. Et dire que ça a toujours été si près. Je serais venue vous casser les oreilles. Mais en vrai, tu peux demander à faire partie des candidats. Mais il ne faut juste pas que tu te fasses avoir en 10 ans, quoi. Ce n'est pas des personnes connues. C'est des personnes vraiment qui veulent être candidats. Ça s'annonce prometteur. Et du coup, moi, je m'occupe exclusivement... Que du live. Je ne sais pas en avance qui y a, etc. Je sais juste quelle musique va passer un jour avant vous. Parce que moi, il faut que je puisse voir si je peux le mettre sur mon live ou pas. Non, mais Kylvan, dans tous les cas, tu as une semaine pour envoyer ta musique. Une carte. Tu ne le fais pas en direct. Des bisous, ma copine. La forêt interdite. Des bisous. Et bien sûr. Bon courage, ma belle. Toujours majestueuse. C'est pas en live ta voix, mais c'est... De quoi, Kylvan ? J'ai pas compris. Si seulement tu pouvais voir tout ça. Ah. Bonjour, professeur Rackham. Nous avons placé le livre sur le piédestal, comme vous le vouliez. Et voici mon mentor, le professeur Fig. Comment allez-vous, professeur Fig ? Non, t'as pas le droit, Kevin. Comprenez-vous désormais pourquoi vous deviez revenir avec le livre ? En effet. Je comprends aussi pourquoi vous appelez cette pièce la salle de la carte. Avoir parcouru tout ce chemin prouve que vous possédez des capacités magiques extraordinaires. Leur potentiel et leur puissance vous seront révélés, si vous vous en montrez digne.
L'emplacement des quatre épreuves apparaîtra à terme sur la carte. Elles mesureront vos compétences et vous donneront accès à des connaissances inestimables. Vous devrez les terminer par vous-même, sans aide. Vous souvenez-vous de ce que vous avez vu dans la consigne dans mon coffre à Gringotts? Vous et votre ami Charles parliez du portail. Des bisous, Kilvan. Et des épreuves créées pour qui pourrait voir les traces de magie ancienne. Précisément. Charles est un autre des gardiens. Une désignation que nous nous sommes donnée il y a des siècles. Étant donné les connaissances que nous avons été obligés de garder secrètes jusqu'à aujourd'hui. Alors, le coffre, la réserve de la bibliothèque, la découverte de cette salle, ce n'était pas des épreuves ? Tout cela constituait une partie importante du processus, mais ce n'était pas une épreuve en soi. Le fait que vous soyez ici est néanmoins de bon augure. Les épreuves ont été conçues afin de garantir que le pouvoir et les connaissances que nous avons gardés secrets ne tombent pas entre de mauvaises mains. Elles mesureront votre talent, à la fois inné et acquis. Mais tout aussi important, ce dont vous serez témoin au cours des épreuves influencera ce que vous choisirez de faire avec ce que nous vous apprendrons. Il vous faudra de la patience, les épreuves ont beaucoup à vous apprendre. Cela prendra du temps. Je crains que nous ne puissions pas nous permettre d'attendre. Nous avons attendu si longtemps, professeur Fig. Coucou Luche. Quelques minutes de plus ne devraient pas... Comment ça va, pas. Mon petit Luche? Sous votre respect, monsieur, bien que je ne connaisse pas votre secret, je sais que cette jeune personne a vu des traces. Des traces d'une puissante magie noire maniée par les gobelins. Et nous avons rencontré un gobelin étonnamment puissant qui possédait une magie similaire alors que nous quittions votre coffre chez Gringotts. Il est peut-être déjà trop tard. Voilà en effet de graves nouvelles. Dites-moi, faites-vous confiance au professeur Fig? Oui. Oui. Dans ce cas, étant donné votre considérable des talent bisous, ma copine. Et tout ce que vous avez déjà accompli, nous allons commencer. Merci d'être L'emplacement passé. L'emplacement de la première épreuve est sur la carte en dessous de vous. Le professeur Fig peut vous aider à trouver les épreuves, mais elles ne peuvent être réalisées que par une personne ayant nos capacités. En gros, que par moi. Regardons un peu. Je connais cette tour, elle n'est pas loin. Vous l'avez peut-être vue, vous aussi. Je crois que oui. Elle me dit quelque chose. Peut-être que cette jeune personne a davantage voyagé que vous le pensez. Oh ! En tant que mentor, le moins que je puisse faire est de m'assurer que ce soit sans danger. Rejoignez-moi dès que possible. Ça, c'est pas normal de dire ça. Je vous retrouverai à la tour dès que possible. D'ici là... Elle a dégommé le prof. Et ne dites à personne où vous allez. Oh bah t'inquiète, hein, elle dit beaucoup de choses à beaucoup de gens. Ça c'est le problème dans mon perso. Terminez les tâches que je vous ai confiées, puis retrouvez-moi dans ma salle de classe pour apprendre Tiffindo, le sortilège de Nekko. Ah mais je peux faire... Ah bah on peut le faire direct ça. On n'a pas besoin de passer... Ah bah cool. Bon bah du coup on y va direct hein. C'est cool, on peut directement avancer l'histoire. J'avais peur qu'on puisse pas le faire. Attention, c'est tout là-bas. Oh là là là. J'ai un balai ou pas déjà? Je me rappelle plus si j'ai déjà un balai. Je crois pas que j'ai un balai. Je sais que j'ai fait la quête du balai, mais je crois que j'en ai pas. Hein. Non, il n'y a pas de balai. Bon, bah on... C'est un moyen efficace de calmer le jeu lorsque la situation... On y va. Mais d'abord, j'ai quelques tâches à vous confier. Revenez me voir lorsque vous les aurez terminées. Ouais, bah... À part là. Ah bah bravo, vous dites bonjour et en fait c'était pas vrai. Franchement, vous abusez. Ah,
Il y a un méchant. Ah, il y en a. Il y en a deux. Putain, c'est des putains d'araignées, sa mère. Je suis en train de me battre la team là. Voilà. Protego. Quelle attaque. Reducto. Expelliarmus. Hop. Tac. Bonjour monsieur. Ah bah tiens. Ils viennent de m'aider. Mais merci beaucoup. Ils m'ont réellement aidé, ça me fume. Je crois que de base, ils aident pas. Je suis allée trop vite pour eux. T'es un poulpe. Non mais. Qu'est-ce qui se passe ici? Bah, tu l'as perdu. C'est dommage, hein. Ok. Je devrais aller voir. Tu es de retour. Bon, hé. Faut m'énerver, là. Hop. Tac, toi, t'es mort. Toi, hop. Non. Toi, tu m'énerves pas. Hop. Voilà. Eh ben, yonk. Bon, Voilà. Hop. Déjà, hop, voilà. Hop. En vrai, là, ils sont tellement durs à gérer. Parce qu'ils sont beaucoup plus, plus forts. Hé ! Sors. Hop. Animagus, là. Hop. Non, hop. Voilà. Je les ai tous eus. Alors que de base, je suis level 14. Hein, et ils étaient level 20. Oh, le pauvre. Tac. Allez, hop. On me casse. De base, en plus, c'était même pas là où je devais aller, mais bon. J'ai pas les kills. Eh, je vous jure, je suis devenue plus forte. Et pourtant, je suis en moyen. Je suis même plus en facile, là. Je suis en moyen. Parce qu'en fait, là, le but, c'est de faire l'histoire. C'est de... Les autres trucs, je les fais pas, parce que j'ai déjà fait. Toi, elle nous nourrit. Voilà donc l'ange gardien. Hop. Non, t'es tout seul. Bon, bah voilà. Hop, merci. Hop. On passe par là. Tiens, hop. Bah tiens. Une petite toile d'araignée toute belle, là. Mais en même temps, en plus, je suis obligée de passer par là. Château. Il devait être très imposant du temps. Putain. Heureusement qu'elles sont moches, hein. Putain, je vois rien. On est en pleine nuit. Voilà.
saleté. Ces saletés de merde. je suis mieux, non? Osez me dire que c'est pire qu'avant. Au moins, je peux les kill. Avant, je pouvais pas. C'est génial, c'est merci. Wesh. Il y a trop d'araignées. Non, il y en a. C'est quoi? Putain. La peur est revenue. Non, en fait, les gars, faut que j'aille prendre le balai. j'ai trop fait ma meuf, mais regardez où je suis et je dois arriver à là. Putain, faut que je le fasse en balai en fait. Hein. Ah, je peux pas. Ah, psychologiquement, je peux pas. Attends. Oh. Non mais attends, je pensais que j'allais être avec les petites. Mais là c'est les plus grosses à ce jour que dans le jeu. Puisque je les ai déjà battues sur mon ancienne game. C'est les plus grosses là. Et moi, quand j'y allais là, moi j'y allais en balai. Attends, c'est où mon balai? Acheter un balai. Je vais aller acheter mon balai. J'ai fait une belle avancée, ouais, c'est bon. Hein. Ceux qui m'engueulent, hein, taisez-vous. Allez vous battre contre les araignées. Pourquoi je peux pas y aller? Putain, je suis dans le combat. C'est bon. Là, normalement, ça doit être bon. Je crois que j'étais dans le combat, c'est pour ça que je pouvais pas y aller. Putain, je peux toujours pas y aller. Coucou Sandra, comment ça va? Non, mais c'est une blague. Non, j'ai comme c'est. Non mais je vais sacrément clamser là d'un coup. Bon et bah on refait le détour. On va aller de l'autre côté. C'est génial. C'est génial. Ah je sais que c'est beaucoup plus compliqué hein. J'ai très bien compris hein. Il n'y a aucun problème hein. Quoi de neuf Sandra? Non, c'est bon, hein. Pas besoin de me faire peur en plus, hein, non. Y'a quoi, là? Non, mais elle m'a pas vu. Voilà. Je repars. Pour retourner. Elle m'a acheté mon putain de balai. Et jamais revenir. Non, en vrai, là, psychologiquement, là, je pouvais pas. Pourquoi il y avait des 10 au fond? Pourquoi? Oh, comment il va? Putain, c'est une blague. Ok. Hop, ça je prends. Ah. Lui, je peux. Voilà.
Voilà, hop. Allez, je repars. Hop. Voilà. Ça y est, on arrive où il n'y a pas d'araignée. Non, là vraiment, au bout d'un moment, il y en avait trop. Il y avait trop d'araignées. À mon goût, là, il y en avait trop. Je veux bien me battre 5 minutes. Mais pas 150 000 ans. Non, pas possible. Ça y est, on arrive vers les maisons. Hop, on passe par là. Je suis en train de faire tout ça à pied, ça me fume. Mais écoute, ça pourrait aller si sa santé ne se dégrade pas. Aujourd'hui, des jeunes morveux l'ont poussé violemment contre le mur, car pour eux, c'est drôle. Oh, purée. Sérieux ? Putain. Franchement, les jeunes. Vraiment, vraiment, c'est de l'être humain. Je suis désolée, mais l'être humain, sérieux, quoi. Bah tiens, ça se batte. Tu n'es qu'un... Je ne dirais pas non à... Par ici. Hop, allez, hop. Tac, allez, ça dégage, tout ça. Hop. J'aime trop comme Fringo. Hop là. Bim. Et bon. Il est trop tard pour te repentir de tes erreurs. Oh bah c'était... Franchement, faut que t'arrêtes, hein. Il y a des fois, elle me fait peur. Mais elle me fait peur elle-même. Ok. Il n'y a rien d'autre ? Ça. Rébellion. Il y a ça. Ok. Mais là, j'ai envie de les frapper. Ouais, ouais. Les gens, ils vont tomber sur quelqu'un qui arrête du répondre, ils vont pleurer. Moi-même, je réponds pas. Oh bon. Tout, 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 tout. Hop. Ça y est, on arrive. Comme ça, on s'achète un balai, bim. Oh, il y a des petits meumeux. Il y a des petits meumeux. J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Préolard. Eh ben, là, je suis... Ah, bah tiens. Merde. J'ai plus mon truc. Mais... Hop là, voilà. Pa-pam. Généralement, en face, ça assume moins. Moi, oh, j'aimerais bien répondre. Mais en plus, comme moi, j'ai eu le problème, j'aurais tellement voulu répondre à ce moment-là. J'aurais voulu avoir des couronnes, comme on appelle. Mais bon, sur le moment, non. Et en vrai, je m'en veux un peu quand même. Je vais pas détailler pourquoi du comment, mais je m'en veux sacrément. Vu là, je suis en service avec son étoile. Tout, 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 tout. Un nouveau petit chapeau. Ok. Là, ils mettent dans le rangement des papiers. Ah. Je vais aller là, moi. Je me fais... C'est gouré. Faut pas à l'instant, c'est jamais évident.
Je sais que c'est jamais évident, mais... je serais certainement mieux que là, quoi. C'est de ça dont je parle. Ah, c'est là. C'est là pour entrer chez lui. Bonjour, j'ai acheté un balai. Fantastique. Bonjour, monsieur Wicks, c'est ça? Albie Wicks, à votre service. Bienvenue à Beaubalais. Toutes mes excuses si vous avez trouvé la boutique fermée récemment. Les routes commerciales étaient perturbées. Cela m'a forcé à aller jusqu'à Londres pour rencontrer mon fournisseur. Et je viens tout juste de revenir. Avec du stock cette fois. J'imagine que vous souhaitez acheter un nouveau balai? Ouais. J'ai quelques rares presse-diffs en stock, des braises filantes, des flèches d'argent, des rubans vol aussi. Peu importe le balai choisi, vous ne le regretterez pas. Tous sont exceptionnels en termes de qualité et de performance. Vous avez du choix? Je vais jeter un coup d'œil. Merci. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui? Oh. Sérieux, Sandra? Je monte des vidéos d'autodéfense. Tiens, d'ailleurs, vous choisissez. Vous mettez soit le 1, soit le 2, soit le 3, soit le 4, soit le 5, soit le 6. Vous choisissez le petit balai. Oh, je veux pas perdre ma cacahuète. Go choisir le balai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 2. Ok. Marchi dit 2. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite dire? Je laisse encore une minute. Tant que je mange un peu. Le 7. Il n'y a pas de 7. Ok, Sandra. Le 3. Ah! Alors maintenant, c'est entre 2 et 3. Alors, entre 2 et 3. Un dernier, s'il vous plaît. Le 2. Voilà. Bah du coup, c'est le 2 qui l'emporte. Ah! Alors, j'aurais peut-être dû regarder avant. Sans commentaire. Sans commentaire, s'il vous plaît. Sans commentaire. Je veux rien entendre. En fait, on va pas en acheter. En fait, on va pas en acheter. Ça pour ça, eh, c'est ça. Du coup, à la place, hop, tac. On va retourner au menu principal et on va aller sur ma première partie où j'ai déjà fini le jeu.
Parce que j'aimerais pour qu'on puisse arriver au level 40. Pour ça. Vraiment, ça me travaille trop depuis tout à l'heure. Et il m'en manque plus qu'un seul truc, quoi. Ah, du coup, voilà ma tenue, hein. Attendez, je vous montre. Oui, parce que du coup, je vends chez lui. Regardez ma tenue. Attention. 2190, 303, 259. Voilà ma tenue. Pa. Au point de talent, j'en ai plus, mais j'ai presque... Non, j'ai pas tout. En magie noire, tout ça, c'est bon. J'ai 55%. Guide du sorcier bientôt, mais en expo, c'est la merde. Et du coup, voilà. En gros, il faut avoir le level 34. Level 34 pour avoir la coupe des quatre maisons. Pour le banquet de fin d'année. Alors du coup, on va faire ça. On va faire le vol d'oiseau. Hop. Alors là, dans cette partie-là, donc vous allez voir un peu. Quand vous voyez dans la carte du monde, j'ai pris tous les points de TP. Tous les points de TP sont pris. Voilà. Et j'ai fait le plus possible de choses à côté. Malheureusement, bah là, ça commence à être compliqué. Hein. J'ai plein de quêtes à prendre. Et là, faut aller là. Donc, on va aller là. Et ça j'ai fait tout à côté. Parce que du coup, les points de TP, c'était trop long à faire. Et alors, je ne vous ai pas montré. J'ai trois moyens pour y aller. J'ai... Voilà. J'ai l'hippogriffe. Regardez. Hop là. Voilà, j'ai l'hippogriffe. Tac. J'ai ça. C'est l'heure de la balade, je crois. La petite balade avec notre magnifique. Voilà. Et lui, par contre, lui, il est extrêmement compliqué à gérer. Hop, j'ai le mis. Et sinon, j'ai mon balai. Voilà. Le compte est stylé. Mais le compte, je l'ai complètement géré à fond. Hop là. Et je vais en balai parce que voilà. Et ce balai, en plus, c'était le plus cher. Mais je comprends pas pourquoi j'avais pas de thunes. Hop là. Coucou Poppy. J'ai fait aussi vite que possible. Tu vois le symbole au-dessus de l'entrée? Et je suis trop mignonne. Je m'appelle Céline Louvre. Bien sûr, Doran l'avait suggéré. Mais de le voir là-haut, est-ce que ça pourrait être l'endroit où les vivets sont cachés? Eh bien, on va voir. Doran nous attend non loin d'ici. Alors, allons-y. Tu arrives à y croire? Des vivets en chair et en os. Je suis ravie de voir qu'on a une longueur d'avance sur les braconniers. Ouais. C'est bizarre qu'on ne les ait pas vus. Avec un peu de chance, ils continuent d'examiner les recherches de grand-mère. Et ils ont quoi faire? De toute façon, Doran était là pour nous guider. Même si les braconniers finissent par trouver cet endroit, on devrait être partis depuis longtemps. Mais... Ah voilà, ça y est. Hop là. Tac. J'ai pris un petit flaireur. Mais je crois normalement j'ai tous les... Y'a rien là-dedans. Ah lui, y'a rien. J'ai tous les animaux normalement. J'ai pas fait 100%, mais je suis pas trop loin. Bonjour. Bonjour. J'espère que nous ne vous avons pas fait attendre trop longtemps, Doran. Pas du tout. Cela dit, ce n'est pas moi qui vous attendais. Avez-vous la pierre de lune? Oui. Parfait. Elle est tout aussi importante pour la suite que vous deux. Que se passe-t-il ensuite? À quoi servent ces piliers? Un dispositif de sécurité, j'imagine. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Vas-y, dis-moi. Et vous savez peut-être mieux que quiconque comment procéder. Toi, comment entrer dans les ruines?
Putain, c'est vrai. Jamais fini ce jeu. Moi, j'ai fini, du coup, là, il ne manque plus que ça, et après, j'ai fini. Soleil et clé. Si les piliers peuvent bouger. Soleil et clé. Donc celui-ci. Ah. Non. Ok. Attends. Quoi? Attends, il y a deux clés. Attends. Il y a deux clés ici. Le soleil, c'est là. Et l'autre côté? Non. Il n'y a qu'un seul soleil. Mais pourquoi il y a deux clés? Donc déjà, il faut que je mette le soleil ici. Donc soleil et clé là-bas. Ça a peut-être un rapport avec la lumière et les ténèbres. Ok. Pousse-toi, Nigdouille. Ok. Faudrait vraiment qu'elle se mette... Oh. Pourquoi elle se met en plein devant elle? Ok. Et toi du coup, soleil. Ici. Ça a peut-être un rapport avec la lumière et les ténèbres. Et là ? Vous avez une idée ou pas ? C'est quoi ça? Ça me montre pas. C'est là-haut le truc. Parce que là, du coup, il y a ça. C'est ça. Pour le coup, ça serait quand même chelou. Peut-être un rapport avec la lumière et les ténèbres. Bah ouais, mais dans tous les cas, je serais bien, non ? Vas-y, il me manque plus que ça pour avancer. Sinon, c'est l'inverse. Avec la lumière et les ténèbres. Attends, mais où est-ce qu'il regarde ?
J'ai essayé de m'aider via internet, mais... C'est quoi le nom, là ? Vol d'oiseau. Je pense que beaucoup ont dû chercher parce que c'est le premier truc qui est cherché. Parce que c'est la dernière grande mission de Poppy. Donc la pierre de lune, oui. Oui. Putain, mais c'est... Bah, c'est ce que j'ai fait, en fait. Sauf que ça s'ouvre pas. C'est que j'ai bien compris le mécanisme. Et en fait, ça, normalement, ça, quand ça brille, c'est que c'est bon. C'est quoi là qui brille ? Un rapport avec la lumière et les ténèbres. Action. En fait, celui-ci, il faudrait que ça brille. Mais comment on fait pour que ça puisse briller ? Parce que ça, d'un coup... Attends. Putain. Donc, jouer avec les lumières. Ok. Mais comment ces deux lumières... peuvent éblouir deux endroits à la fois. Ça a peut-être un rapport avec la lumière et les ténèbres. C'est théoriquement... Ah ! Si, ça éclaire bien deux trucs à la fois. Donc... On va faire un par un. Ok, donc celui-ci, faut qu'il soit mis là. Ok, donc là, il y a la clé. Ici, il va falloir mettre celle-ci. Donc c'est soit par là, soit de l'autre côté. Je suis bon. Ça a peut-être un rapport avec la lumière et les ténèbres. Non ? Wesh, eh oh. Du coup, c'est pas cette clé-là. Ça, c'est quoi ? C'est celle-ci. Du coup, ça, toi, si je t'amène là, tu vas aller par là. On est d'accord. Bienvenue dans la meute, Bad Killer. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. Ok. Et si j'en fais encore un ? Regardez, Doran, une porte. C'était l'autre clé. Du moins, pour le moment. Ah bon ? Il n'est pas avec nous ? Si les vivets sont bien ici, le troupeau de centaures voudra sûrement le constater par lui-même. Surtout Elec. Continuez sans moi. Je vous rejoindrai dès que possible.
Ok, bon bah du coup, on est obligé d'y aller seul. Le perchoir doré. Coucou! Bah ça va très bien et toi, quoi de neuf? Merci beaucoup pour ton follow et bienvenue dans le chat. Ah, je ne suis jamais allée ici, c'est les derniers trucs que j'ai pas fait. Regarde les fresques sur les murs, elles représentent toutes des créatures. Oh. Cet endroit a dû être construit pour les protéger. Ils n'avaient rien à craindre. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Le camp de braconniers était toujours au présent. C'est dur à expliquer, mais l'attention était palpable. Incendio. Voilà. Oh. J'éprouve un sentiment de sécurité et de calme ici. Tout l'opposé du camp de braconniers. Hop là. Ça, c'était sûr. Ça, c'était réellement sûr. Je suis sur ma troisième partie. Oh, t'as fait quoi? Est-ce que tu as fait Serre d'Aigle? Question importante. Serre d'Aigle, c'est ma maison. Et c'est celle que je suis en train de faire. J'adore Serre d'Aigle. Si Poudlard aurait existé, j'aurais été 100% Serre d'Aigle. C'est trop mignon. Est-ce que t'es allé jusqu'à réellement la fin du jeu Oh bah tiens. Oh ça c'est bien pour moi ça. Oh ça c'était cool. Ah. Voilà. Qu'est-ce que c'est beau. Hop, on détruit. Voilà. Ça va falloir faire quelque chose. Hein. Je suis désolée, mais je le sens bien le truc. Voilà, allez, hop. Premier, j'ai fait Maison Poufsouffle, ensuite Gryffondor, et là, je suis sur Terre d'Aigle. Oui, jusqu'à la fin du jeu. Et t'aimes bien? Lumos, Lumos. Non, mais. L'autre qui sort. Lumos! J'ai peur! La meuf! Elle m'a fumé! Alors, oui, s'il te plaît. Et on va mettre ça. Ah! Non, tu veux pas? Bon! J'ai compris. Non. Mais la... Nigdouille. Nigdouille. Elle est couillonne. Elle est couillonne. Putain. Oh. Ah bah rip. Non, non, mais il n'y a pas de rip, non. Bon, du coup, normalement, j'ai tout gardé sur moi. On va tester par là. Bon, au plus, j'avais laissé ça. Il y a tellement de livres. Ce n'est rien comparé aux recherches de ma grand-mère. Ah, d'accord. Vraiment, en plus, ouais, vraiment, il n'y avait rien. Hop. Est-ce que du coup, ça s'est pris ou pas? Ouais, oui, j'ai tout gardé, allez hop. J'ai tout gardé la team. Ah bah non, ça j'ai pas gardé ça. Cette... Pourquoi là il y a un coffre derrière ça? Ah peut-être en haut. Peut-être en hauteur. Je viens de capter qu'il y avait ça. J'aimerais que ça tombe, s'il vous plaît. Hop là. Oh bah tiens, c'est parfait.
Voilà. Voilà. Hip, 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 hip. Hop. Merci beaucoup. Oui, mais il y a pas mal de changements à part avec la mission de Richard Chouka. Le reste est identique, mais ça permet de voir les différences. Ouais. On a la même robe sur le même personnage. Mais cette robe, elle est badass. Je suis désolée, elle est trop belle. Bon, et bah ça, ça, je sais pas comment y aller. Pour le moment, ça, je sais pas. On peut pas prendre, bah non, hein, bien sûr. On peut pas prendre. Bon, peut-être qu'il faudra y aller plus tard. Vraiment, là, en plus, c'est vraiment les tout premiers. Si, j'ai jamais fait. Tiens, un petit coffre. Merci. Je sais pas combien j'ai de thunes ici, mais j'en ai, hein. Hop. Ça paraissait trop beau pour être vrai. Comment sortir d'ici? Déjà, faut trouver les vivets, hein. Glacius. Glacius, feu. Ah là par contre là j'ai pu monter, tiens. Du coup, qu'est-ce que vous avez aimé dans le jeu? Moi, j'ai bien aimé l'histoire. Même si j'aurais voulu avoir le Quidditch en plus, quoi, clairement. Mais ouais, j'ai bien aimé. Et j'ai bien aimé le fait qu'on puisse aller un peu partout. Ah! Viens avec moi, toi. Mon petit feu de... Mais dégage, Nigdouille. Alors, il faut avoir... Wesh. Il m'a fait peur, ce truc. Faut que je trouve le deuxième. Il y a une page, non? Ouais, t'es un plus. Ouais, c'est dommage qu'il l'ait pas mis. Pourquoi ça marche pas? Ah! Est-ce que je peux passer au moins? Sans te casser la gueule en plus. Voilà. Je veux juste pouvoir prendre mes trucs. Ah oui, d'accord. Putain. Cet endroit a sûrement été créé par un lecteur avide. Et tous les livres sont sur les créatures. Ta grand-mère aurait adoré. Tout à fait. J'ai hâte de tout lui raconter. J'ai joué deux persos masculins et là, c'est perso féminin pour apprécier la voix d'Adeline Chetail. Mais moi, Adeline, j'adore. Heureusement que c'est elle qui fait la voix. Parce qu'en vrai, il y a des voix françaises, des voix de... Il y a des voix de doublage que j'apprécie pas du tout. Mais depuis des années, hein, par exemple, j'ai jamais apprécié Dorothée Pousseau. C'est la voix. En fait, la voix, je ne supporte pas. Moi, je suis vraiment pas... Oui. Hop. Si. Hop là. Genre Dorothée. Ouais, Dorothée, j'aime pas. Dorothée Pousseo, j'arrive pas. J'arrive pas avec son style de voix. Même dans Barbie. Parce que du coup, j'ai vu le film Barbie. C'était pas possible. Même dans Harley Quinn, j'y arrive pas.
Ouais, elle a une voix particulière, mais c'est ce qui fait justement que du coup... C'est comme ça qu'elle elle est connue. Mais... Tu peux descendre, toi. Hop. Mais... Où est-ce qu'il est parti, celui-ci? Pourquoi il est reparti là-bas, lui? Ouais. Les plaques sur le sol sont ornées de symboles. Oui, bah, c'est ce que je fais. Je panique d'où quand même. Est-ce que ça marche comme ça? Putain. Et il a fallu faire les deux trucs en même temps. Très ingénieux. Ah. Regarde cet endroit. Vraiment, ça change. Quoi, il y a des mages noirs encore? Excusez-moi, attendez. Ah, des mages. Hop! Ah bah, la cadavre, allez hop! Moi, mourir? Non, j'ai pas de... Non. Tu es un menteur. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai tué. Ça te dérange? Hop. Hop. Tac. Hop. Qu'est-ce que j'ai en petit? Ah oui. Oh, ah, ça, c'était badass. Ouais, ouais, Bad Killer, je suis d'accord. Ah, ils sont venus. Hop. Tac. Hop là. Allez. Eh ben, Ça, c'est méchant. Ça, c'est méchant. Hop. Tac. Tac. Hop. Hop. Toi, t'es fini. Toi, hop. Ciao. Quoi? Hop là. C'est là de la bagarre, eh, c'est ça. Eh oh oh. Hop là. Hop. Putain, je fais 3000 de dégâts, ça me fume. Tac. Hop là. Hop. Je prends. Oh. Vous avez pas vu, vous. Hop là. Vous n'avez rien. Non. J'espérais revenir avant qu'il ne soit trop tard. Non, moi. Mais si vous n'étiez pas arrivé à temps. Je les ai conduits jusqu'ici, Doran. Vous avez combattu à nos côtés contre votre espèce. Excusez-moi, je prends. Ah, non, j'ai plus besoin. Ce sont ceux que j'ai vus, Elec. Finis ce que tu dois faire. Tous les événements que tu as prédits
ne se sont pas encore produits. Hop, j'arrive. Excusez-moi, je vérifie s'il n'y a pas de gros coffre. Voilà, hop. T'as l'air d'être bon. Hop. Jeline et Sim ensemble, ils s'en butent trois d'un coup. Oh, pas bête. Pas bête, bad killer. Ouais, on la prend très très tardivement. Oh ouais. Ah, les voilà. Oh. Les cheveux. Désormais, il ne nous reste plus qu'à rompre le sort. Vous voulez qu'on le fasse ? C'est nous. Allez, vas-y, fais-le. C'est ton moment. J'ai toujours souhaité qu'il soit en sécurité, c'est chose faite. L'honneur te revient. Oh, c'est moi. Wow. On les a pas, ceux-là. Parce qu'on peut pas les avoir de base. Oh. Mais que faire maintenant? Ils sont fragiles, ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Et dès que le monde apprendra qu'ils sont réapparus... Il ne leur sera fait aucun mal. Les centaures vont s'en assurer. Oh. Faites-nous confiance. Merci, Doran, de nous avoir aidés. Je t'ai cru, créature magique shiny. Oh, c'est dingue. C'est à toi que revient tout le mérite, jeune fille. Tu as fait ce que les braconniers ne feront jamais. N'oublie jamais ça. C'est la fin de son histoire. Elle a sauvé les animaux. Poppy, j'ai beaucoup aimé son personnage. Vous avez combattu avec courage. Nous allons prendre le relais maintenant. Cool. Doran, si vous êtes d'accord, j'aimerais rester et passer un peu de temps avec les vivés. Sa quête, elle est finie. Les nanimaux. Les nanimaux fantastiques, c'est ça. Ok. Du coup, maintenant, il ne reste plus que ça. Et ça, c'est niveau 34. C'est ma préférée, Poppy. Je suis complètement d'accord. Elle est dingue. Puis même au niveau de la voix, je trouve que ça va correspond énormément. Oh, ça, c'est pourri. J'ai rien d'autre. Pour moi, quand j'aime une bébête, je la défonce pas. Oh, j'ai jamais défoncé les animaux, moi. Y a pas de... Du coup, faut sortir. Ou tu vas revenir? Déjà, pour qu'ils se sentent bien. Hop, voilà. Miss, elle fait que des kills, c'est tout, mais pas sur les animaux, c'est ça. Sur les serpents cendres, aucun problème. Avec grande, grande gentillesse, même. Bah, du coup, on va sortir. Tiens, j'ai oublié ça. Que les bébés licornes sont dorés. Des bébous licornes. Les bébous licornes. Hop. On remonte par là.
monte. Hop. La vallée de Poula. Vive les licornes. Mais les licornes, elles sont trop mignonnes. Et moi, j'ai Buck. Buck, qu'est-ce qu'il est mignon. Ok. Et bah du coup, vu que ça, je suis obligée d'attendre. Parlez-moi de vos parties. On va aller faire les araignées. Moi qui supporte pas les araignées, qu'est-ce que je vais faire? Les araignées. Ça va être kiffant. Bonjour. Et parce qu'en vrai, là, elles vont... Je les tue tellement plus vite. C'est 6 de trop. Hop là. Voilà, c'est fini. Non, je suis obligée de mettre ça. Hop. Oh bah tiens, il y a un... Hop là. D'accord. Oh putain, sa mère. Alors, elle est grosse. Elle, oui. Tac. Hop. Hop. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Allez, hop. Allez, meurs. Meurs, vilaine. Hop. Voilà, hop. C'est bon? Bah, je crois qu'il n'y en a plus. Je viens de tuer l'une des plus grosses, du coup. Mais dans ma partie, vu que du coup, j'ai beaucoup plus de sorts, et bah, c'est beaucoup plus simple de gérer. Mais de base, en fait, réellement, c'est comme ça. Ah, j'ai pas détruite. Voilà. Toi, Bad Killer, t'aimes bien comment les araignées sont faites dans le jeu, quoi. Mais c'était fleureur. J'en ai au moins, j'en ai beaucoup déjà. Bah, en fait, du coup, c'est... Attends, il y avait que ça comme araignée? Il y avait que ça? Ouais, elles sont très bien représentées. On est d'accord. Et ben, je suis complètement d'accord avec toi. Elles sont même trop bien représentées. Trop. Vraiment, elles sont tellement bien faites que ça en devient... très très stressant. Alors, je veux savoir. C'est là. Attends. Ok. Si, tu peux te grimper. Les noirs, je crois que j'en ai battu. Tu veux pas monter? Je crois que je les ai déjà battus. Non mais... Bon, elle veut pas monter par là. Bon, ok. C'est dommage parce que ici c'était très... Franchement, elle aurait été capable. Sinon, voilà. Voilà, voilà. C'est Leviosa, pas Leviosa. Ça n'était pas si difficile. Oh, j'ai pris 15 minutes pour comprendre hein, qu'elle était là. Hein.
Ok, ça j'en ai pris. Hop là, on peut ressauter. Merci. Ok, ok, ok. Tiens, tiens, tiens. Ah bah tiens, de l'explo. Hé, hey, ça c'est bien au moins. Bon, par contre, ça c'est quoi mon défi verrouillé? Après l'étape d'astronomie, je sais pas ce que c'est. Et pas savoir. Pourtant, j'ai bientôt fini le jeu, j'avais toujours pas su quoi. Ah bah tiens. On va faire Poppy, on va essayer. Franchement, je pensais qu'on avait fini, mais en fait, non. On va aller à Poudlard. Poudlard. Elle est là, notre Poppy. Hop. On va aller. Ah non, pas le hangar à bateau. Bon, on va dans la cour du viaduc. Comment ça va, Taze? C'est Leviosa. Pas Leviosa. ce moment, il est dingue. En plus, je crois réellement que l'actrice, elle devait sacrément en avoir marre qu'ils disent des bêtises à chaque fois. Pourquoi c'est pas suivez les papillons? C'est vrai qu'il y a aussi ce moment. Pourquoi faut suivre les petites araignées? Pourquoi pas suivre des petits papillons? Parce qu'en plus j'aurais été pareil. Oh mais je vois pas moi, je passerai pas. Ah moi non. On va aller dans la grande salle. Oh Peeves! Je reviendrai plus tard. Bah oui, je peux pas. Au pile moment où ça mange. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Justement, je te cherchais. Si Hagrid sort d'Azkaban, je le tue. Ça. Ouais. Tranquillou et toi, j'étais en l'heure qu'il y a, même si j'ai raté beaucoup. Thaïs, est-ce que tu m'as entendu chanter? Je vois que Doran t'a enfin convaincu de laisser les vivets tranquilles. Si quelqu'un peut les protéger contre les braconniers, c'est bien les centaures. Oh. Et je voulais te remercier. Oh. Quand les braconniers nous ont piégés, eh bien, j'étais contente de ne pas être seule. Tu as raté ce passage, Taze. Cela m'a fait plaisir d'être une amie. C'est bien normal. C'est à ça que c'est servent les amis, non? Probablement. Je suis J'ai assiette là, Odif. C'est déjà ma plus belle année. Je ne voudrais pas revivre le hall Magyar, mais j'ai bien aimé les trois balais. Je ne savais pas que c'était si agréable comme endroit. Tu n'étais jamais allée aux trois balais? Je passais presque tout mon temps avec elle, Céleste. Ouais. Et je ne sais pas si Sirona serait ravie de voir débarquer un hippogriffe pour une bière au beurre. C'est sûr. Parce que j'y serais allée avec elle, Céleste. Ou grand-mère, bien sûr. Elle, Céleste, est une bonne amie. Rien de mal à ça. Elle, Céleste, est de bonne compagnie. C'est vrai. Mais je commence à comprendre l'intérêt d'avoir des amis humains. J'étais contente de parler de mes parents et de ma grand-mère. Et puis aussi elle, Céleste. Moi, sois prudente. C'était un plaisir, Poppy. Essaie de ne pas t'attirer d'ennui. Je ferai de mon mieux. Mais on a affronté des braconniers deux fois. Et avec brio. Je crois que je commence à y prendre goût. Et avec les centaures de mon côté, je pourrais bien aller au-devant des ennuis. Ouais. On devrait aller se On a fini, Poppy. Un de ces jours. Elle, Céleste, pourrait se joindre à nous. Et ça y est, fini l'histoire de Poppy. On l'a fini. En parlant de vidéo, oui, à 16h30, il y a la vidéo de Hairdresser Simulator. Et ouais. Et ouais, 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 ouais. N'hésitez pas à aller la regarder après, du coup. Hop. Et bah du coup, après, il restera ça. Mais on n'est pas trop loin. On est au niveau 32, presque à la fin du niveau 32. Ah là 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 là. Sauvegarder. On a fait 42 heures sur celle-ci. Patron va-t-il recruter une nouvelle coiffeuse? Il va me virer, ouais. Hop. Bah du coup, j'espère que ça vous a plu. Hop. Tout, 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 tout.
on va aller raid. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un du réseau? Je ne pense pas. Ah, il y a Atheris qui est sur Hogwarts Legacy également. Il y a notre copine. Ça tombe bien, moi, sinon je voulais avoir quelqu'un du même jeu. Et bah, hop là. Je laisse à mon autre écran. Ah, c'est bien, Alice. Merde. Oublie un truc. Hop là, voilà. Voilà, n'hésitez pas à aller voir ma copine. Ah bah oui! C'est ça. Et puis du coup, on se retrouve demain à 13h45. Des bisous, prenez soin de vous. Surtout qu'on a perdu McGonagall, c'est ça. Des bisous tout le monde, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, mon Instagram, tout ça. Et puis, bah, du coup, on se retrouve à demain. Des bisous!